Alors que l'humanité a célébré le vendredi 27 septembre la journée internationale du refus de l'échec scolaire au Congo, plusieurs activités ont marqué cette célébration en vue d'encourager la persévérance scolaire. Infilou, le 7e arrondissement de Brazzaville, a servi le lieu de partage des kits scolaires aux enfants. L'ambition est de lutter contre le décrochage scolaire. La lecture que nous faisons, elle est simple. La jeunesse doit se rendre utile, la jeunesse doit accompagner les pouvoirs publics dans la politique de la scolarisation de cette même jeunesse. Vous savez, la responsabilité communautaire et la responsabilité parentale jouent de beaucoup dans l'éducation et la scolarisation des enfants. Très souvent, nous avons compris que les enfants qui échouent à l'école deviennent ipso facto, sinon quasi totalement, des délinquants. Nous sommes entrés purement et simplement de pallier la société congolaise de cette difficulté. Concernant le prix Intello, nous avons primé des Congolais, des personnes et personnalités qui ne cessent d'œuvrer dans le bon sens, accompagnant les autorités compétentes dans des questions relatives à l'éducation. L'apport de l'association Intello est un soulagement pour les parents. Mais je fais que remercier cette équipe Intello qui a fait cet geste-là. Ça nous a vraiment soulagés parce que tu peux avoir tant d'enfants. Mais on t'a déséquilibré un peu, ça nous a soulagé. Cette distribution des kits scolaires consacre la 2e édition et l'association entend poursuivre l'assistance des enfants.